Depuis plusieurs années, on a développé dans le cursus Supaéro une multitude de parcours et de cursus qui correspondent à des profils différents et à des attentes des étudiants et des recruteurs. Et finalement, cette diversité de cursus possibles génère chez les étudiants pas mal de stress et pas mal de difficultés quant à choisir leur parcours. C'est vrai qu'on a une diversité de parcours vraiment complète en fonction justement de ce qu'on veut faire par la suite. Et même si on ne sait pas notre fin de cursus, ça permet de voir vraiment tout ce qu'on peut envisager de faire, enfin des substitutions, des doubles diplômes, des stages. Et donc on s'est interrogé sur la meilleure façon de les accompagner dans la construction de leur cursus. Et donc on s'est dit que la meilleure façon d'apprendre, c'était de jouer. Et donc on a fait appel à Ludocom, une société qui a créé ce jeu sur la base du parcours et des possibles à Supaéro. Au travers du jeu, les étudiants sont amenés à s'interroger sur les choix qu'ils pourraient être amenés à faire pour construire un parcours par rapport à des missions prédéfinies. Alors la mission, ça peut être analyste financier, ça peut être ingénieur recherche en structure et matériaux, ça peut être architecte système. J'ai quand même pris du DMSM. Ouais, du DMSM. Oui, bah on prend un DMSM. Allez, mais on prend DMSM. Pas que un DMSM. Genre on peut dire, allez, on en prend un et on en prend un autre. Il n'y a pas de mécanique générale un peu. Après, tu as de l'aérodynamique, énergétique et propulsion. Bah là, par exemple, nous, on a pioché un cursus structure et matériaux. Et donc là, on s'est plus orienté, par exemple, sur un semestre, une deuxième année qui faisait une substitution et après une césure. En fait, on privilégiait plus les stages que les cursus universitaires. On trouvait ça plus adapté, par exemple, à la finalité du cursus matériaux. Alors après, il y a vraiment plein de choix qu'on aurait pu faire d'autres. Enfin, c'est vraiment très, très divers. Et donc, par rapport aux missions, les étudiants doivent, au travers du jeu, satisfaire et remplir leur mission en définissant et en validant un cursus donné correspondant à la mission en question.